sorry. Went out for a little bit. What can I do you for? Are you kidding right now? Did you not stay up all night knowing that someone is... I actually slept just great. Okay. By the way, I was wondering if your Flora of the Shoshone info poster was still up inside your tower? What? It's just protocol that those stay up. You know, info about your tower, the surrounding tree species, etc. Alright. Just, you know, have a look at it. Make sure it's in ship shape. Bonsoir. Ah, je suis Lord Poulpi. Ah, cette introduction était bien trop longue. Désolé, je me retenais de parler. J'étais là comme ça. J'ai coupé, bien sûr. J'ai coupé ces petits bruitages extrêmement orgasmisants hein, au montage. Oui, je voulais pas vous gâcher l'ambiance. Oula, il y a le feu là-bas. Hein. Alors, ce qui s'est passé, un petit peu de déception de mon côté de la dernière vidéo, puisque je pensais qu'on allait aller à la station Wapiti, là. Mais non. Non, je parlais avec Deila tranquillement, et là, on a entendu un mec tousser et des bruits de casserole. Donc là, on s'est bien rendu compte que la ligne était piratée. Et là, Deila, elle a flippé. Et là, Henri, il a flippé aussi, et il est allé s'enfermer dans sa tour. Alors moi, je veux bien. Sur le principe, je suis d'accord. Mais sachant qu'Henri s'était fait assommer par un mec qu'il n'a pas vu une heure avant, pourquoi flipper pour un mec qui tousse sur la... Enfin, on avait compris. Enfin, tout le monde avait compris. Même Henri avait compris. Odeila était là, ouais, je sais pas. Mais Henri, il avait compris qu'on était piratés. On a trouvé des notes relatant nos discussions tout de même. Allons. Elle nous a fait peur. Elle nous a fait flipper. Elle a flippé, elle nous a fait flipper. Et donc, on est rentré et on s'est barricadé dans notre tour. Voilà. Et là, par contre, je me dis, mais pourquoi nous parle-t-elle comme ça, comme si de rien n'était, comme si la vie était belle? Pourquoi veut-elle qu'on regarde cette affiche? Ça n'a aucun sens. Peut-être a-t-elle été kidnappée. Oh, peut-être la force-t-on à dire ces choses qui n'ont aucun sens. Regardons. Ok, yeah, it's up. Why are you acting like this? Great. Just... Wonderful. Do you see the tree in the top row, second from the left? Ah, elle veut qu'on se fasse des messages codés, peut-être. No, you don't need to tell me. Just internalize it. It's a great tree, and there's an area called that tree's name in your sector that maybe you should take a midday hike to. Maybe. Cottonwood. Et pourquoi donc? Oh. Yeah, okay. Maybe I should go for a hike. Ça y est, Henri a compris. Nothing like an afternoon in the Rockies, I tell ya. Radio me the moment you get there. Oh là là, comment elle est maligne, Deila. Bon, Deila, j'ai toute confiance en elle. Ah, si, c'est décidé. Et je la resignale tellement j'ai confiance en elle. Which tree am I supposed to... Histoire de bien griller l'affaire. Top row, second from the left. Head to a place named after that tree, and you'll have a wonderful afternoon. C'est ça. Pourquoi on peut pas retirer ce tissu depuis le début, il est là. Ah, ça me perturbe. Bon, ok. Oh, mon alliance, bah alors, ça y est, on la retire. Oula, c'est pas bon signe, ça. Je la garde. On va emmener avec nous tout ce qui a de la valeur. Le whisky aussi, ça a de la valeur. Quoi d'autre? Un vieux papier. Qu'est-ce que c'est que ça? Carte de Two Orcs. Ah, c'est une carte de Brian, le fils du gardien qui était là avant nous. Enfin, avant nous, il y a quelques années, je ne sais plus. D'accord, il s'est fait une carte, il a trippé le mec. Le gars. Eh bah... Hey, there's a map in my tower that I'm pretty sure is not USGS regulation. Qui est sans doute, surtout. Unless I've unknowingly been assigned to work in Two Orcs and the lake to the east is made of acid. Two orcs? Looks like it was made by Brian Goodwin. Wonder if his dad hated this type of stuff and he felt like he had to hide it? Oh man, that would be sad. So you have a soft spot for nerds? I really do. Ouais. Bah, parce que ça fout là par contre, hein. C'est quoi, c'est du scotch? C'était peut-être collé sous le bureau? Nous ne saurons jamais. Bon. Voilà. Ouais, magnifique. Très bien. Photo avec Julia. Pourquoi
Qu'est-ce qui se passe là? Mais enfin, Henri, ça y est, on tire un trait sur sa vie passée? On jette la photo de sa femme? Henri, tu pars en sucette. Henri part en sucette. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? À mon avis, il n'y a rien d'autre. Hein. Beurre de cacahuète. Ça, c'est intéressant, ça. Oh ouais, toutes les vifs que j'ai à mon petit pillage. Une trousse de secours, on la prend pas la trousse de secours? Mon petit pillage s'est révélé extrêmement bénéfique. Pas bénéfique, mais enfin voilà quoi, tu vois ce que je veux dire. Ah, on a refait le lit, ça c'est bien. Alors la tortue, parce que oui, quelqu'un m'a dit dans les commentaires, une jeune femme un petit peu impertinente m'a dit oui, ta tortue, t'en prends pas soin, blablabli, blablabla. Blablabli, blablabla. Et j'ai dit oui, c'est vrai. Donc je vais aller acheter dans les toilettes immédiatement. Parce que j'en ai marre de cette tortue, elle sert à rien. Voilà. Donc on va te mettre aux toilettes, mes mères. On va lui rendre sa liberté. Sur une tortue, sur une toilette sec. De toute façon, elle va pas se noyer dedans. Bon, au pire, enfin, si, elle va peut-être se noyer dans pas autre chose que de l'eau. Ouais, c'est possible. Je sais pas trop comment c'est fait. Non, je plaisante. Je l'adopte. Je l'aime bien, ma tortue. Je suis sûr qu'elle va me sauver la vie à la fin du jeu, en plus. Bon alors, faut qu'on aille à Cottonwood. Sur les conseils avisés de Lilila, qui a un plan maléfique derrière la tête. Et c'est où? Cottonwood Creek. Ah bah c'était le grand... Ah bah c'était le grand arbre. Ouais. Le grand arbre où, bah, où je me suis arrêté la dernière fois. Où il restait une cache à voir. C'est bien. On va y retourner tout de suite. Plutôt une bonne nouvelle. Alors... Hop. Je reconnais pas la route. Je ne reconnais pas du tout la route. Ça y est, je suis perdu. Ça a été rapide. Non, c'est bon, c'est par là. T'es un champion. T'es un champion, on sent que t'as fait des scouts. Ah, si, si, c'est un ancien scout, Henri. Je le sens. Donc on va droit vers le feu. Qui, putain, le nuage est de plus en plus gros, j'ai l'impression. Hein. Donc on retourne là où on était hier avant de se faire dessus. Nous retournons sur les lieux que nous avons quittés la veille. C'est un petit peu une manière de boucler la boucle, hein, j'ai envie de dire. J'aime bien les trucs comme ça qui n'ont aucun sens. Je ne sais pas pourquoi. C'est la nature qui m'inspire peut-être. Putain, il y a encore des bruits de craquement là. Ils font chier. Ah mais grave, mais vous êtes grillés les mecs, hein. Putain, c'est quoi? C'est une tribu d'hippopotames qui me surveille ou quoi là? Écoutez. Ça le fait plus. Alors la cache. Où qu'elle est la cache? La cache, ok. Est-ce qu'on peut y aller tout de suite? Non, pas y aller tout de suite. On va y aller après. Donc, elle veut qu'on aille là. Oh là là, il y a des bruits. Oh là là, il y a des bruits de partout, putain. Pourquoi vous faites ça? T'as mis la carte à jour pour Big Tree. Ouais, d'accord. J'aime pas ça. Bon, c'est peut-être le vent, en fait. Ça fait quand même beaucoup de bruit. Bah qu'est-ce qu'on vient foutre là? Ah, ouh, du ski. Enfin, un ski. J'ai cru qu'on allait faire du ski. Bon, je vais aller voir la cache. Parce que je sais pas trop là. On va aller là-bas. Petite fleur. De toute beauté. Ah, bah d'accord, on devait venir là, ok. Donc, d'abord, je vais ouvrir ça. Comme ça, on aura toutes les boîtes. Et là-dedans. Allez, allez, un shotgun. Allez. Allez, fermé. Non. Ça marche pas, pourquoi ça marche pas? Comment je sors de là? Je suis prise au piège. Bon, c'est bon. J'ai trouvé, je suis un génie. Bon alors. I'm here at Cottonwood Creek. You see the cash box there? Ah. I just checked it and the code doesn't work. It's because I changed it. It's 5678. Are you kidding me? I was in a rush. T'as fait ça quand? Carte! Il me reste des infos à choper là-dessus.
J'aimerais bien savoir quoi. Que dalle. T'es une mythomane. Oh, une nouvelle radio. Ah ouais, une radio non piratée. Putain, mais elle a fait ça cette nuit, genre. Alors qu'elle est à 10 km, quoi. Ok. Pourquoi pas. Je l'aimais bien, ma radio. Elle était belle. Oh, elle est un peu moche, l'autre. I've got it now. Good. I spent all day getting you that radio. I hiked to a cash box, lied to a ranger, lied to another ranger. Ah, hopefully you are now holding a clean, untapped radio. Je préfère ça. Holy fuck, Henry, we have to get into that site. Quand tu dis nous, c'est moi, je suppose. Whatever these people are doing is illegal. Tu es complice. Non, ça c'était il y a des vidéos, j'aurais pu sortir, mais là. You understand? Ouais, on va prendre ses nouvelles un petit peu. Tu divagues ou pas? Je sais pas. You've been listening to us all summer. How is this actually happening? I don't know. I'm scared. Are there any other lookouts this is happening to? Someone else in on this? Anyone? This is just happening to us. Everyone else is fine. Are you sure? Yes. I've tried to bring it up to Chimney Rock, Elk's Fork, and Beartooth Lookout, and every one of them got confused. Asked me if I'm okay and if I need to be relieved. Our fucking state coordinator asked if I was just having lady troubles. So no, this isn't happening to anyone else, and I'm done asking. None of it makes any sense. Est-ce que j'imagine tout ça? Bah non, on est deux quand même, faut pas déconner. I just changed clothes laying on the floor because I don't know who could be watching. Look, I'm headed back to the gate. Non, but parano, I've got an axe. We'll know something soon. You need to get into that site. Call me when you find something. Ah bah tiens, c'est là où je m'étais perdu la dernière fois. Le chemin est dégagé. Pousse bordel. Bon allez, plein nord. On va enfin avoir des réponses. I just thought of something not not great. What is it? I filed a report that said that neither of us ever talked to or saw those girls, the ones that went missing a few weeks back. Ah, c'est pas très bien. Ça m'arrange un petit peu, mais bon. Ouais. So, I'm sorry. I'm not following. C'est pas grave. Henry, our radios were tapped the entire time we talked about it. Ah, c'est pas fou, j'ai pas pensé à ça. First day when you had the run-in with them. Oh. Oh, non, mais c'est pas grave. Oh, yes. C'est pas grave, c'est pas grave. And now, someone probably has a transcript of that entire conversation. And I've filed a report that's a blatant lie. Oh, and those girls are still missing. Yep. Fuck, Delilah. Fuck, indeed. We really need to get to the bottom of this. Bon, de toute façon, a priori, les campeuses, j'ai envie de te dire, enfin, les mecs, là, ils font un truc louche, donc ils vont pas nous balancer. Vu que, à mon avis, ils font un truc bien plus louche que de mentir sur, sur ça. Mais ça se trouve, les deux campeuses, elles sont dans leur base. Ouais, enfin, dans leur base, je sais pas ce que c'est, mais dans leur station, là. Ouais. Ce qui est carrément plausible, hein. Vu le nombre de personnages dans le jeu, voilà. Elles en font partie, les personnages du jeu. Quasiment les seuls. À part un autre mec qui agite sa torche. C'est pas pourquoi d'ailleurs. Ouais. Nous allons avoir des réponses, et ça fait plaisir. Allez, cours Henri! Cours, le soleil se couche déjà. Il va faire nuit, et ça craint du boudin. Pas envie d'être là de nuit, moi. Avec des mecs qui t'assomment par derrière, pour un oui ou pour un non. C'est moi qui fais ce bruit-là. Ouais, c'est moi. C'est mon visage musclé, sur lequel les branches se cassent. T'es sûr que c'est par là? On croit pas, hein. Tu vois, c'est pas par là. De toute façon, je m'en fous. J'ai ma bouteille de whisky, j'ai ma tortue. Ok, alors attendez, là il y a un petit bug mental, ça va bien se passer. Faut passer par là?
Ah, je me rappelais plus qu'il fallait monter sur ce... Sur ce... rondin. Pas une deuxième tortue qui traîne là des fois? Du coup ça... Ok, c'est un tronc, tout va bien. On continue. La bouille libre. Hein. Toujours ces canards qui font des bruits étranges. C'est par là. Hein. Ouais, c'est par là. Ouais, je reconnais les petits cailloux. C'est bon, c'est par là. Nous sommes proches. On va pouvoir foutre un coup de hache. Est-ce que tu peux descendre sinon? Mettre un coup de hache dans la porte. On va rentrer. Et là, on va se prendre un coup de M16 et le jeu va être fini. Ça aurait été court. Mais non, il reste trop de choses à faire. Il reste la grotte à explorer. Il reste... c'est tout en fait. Ah, il y a la vieille cabane aussi. Ah, mais il y a plein de trucs en fait. Ah, mais comment ils vont faire pour... comment ils vont faire pour que l'histoire continue? Ça m'intrigue. Alors par contre, pourquoi j'ai eu besoin de faire ça? Qu'est-ce que je fous là? Je suis où là? Bah non, la porte elle est... Ah, la porte elle est là-bas. Attendez, mais il y a quoi par là? Je sais pas. Je sais pas. On ira voir plus tard. La porte. Gouvernement des États-Unis. Donc c'est un truc déclaré quand même malgré tout, parce que les pompiers ont été appelés pour protéger ce site. Enfin, pour protéger ce site. Parce qu'ils s'inquiétaient que le feu se répande jusque là, donc ils ont quand même fait appel aux pompiers en citant le nom du site et tout. Donc c'est pas non plus un truc, tu vois. I smashed open the gate. Should I try to fix or hide this? No, screw it. Okay then. Ça existe officiellement, après ce qu'ils font dedans par contre. Une boîte aux lettres. Oh. Ow. Bah tu t'es fait piquer. Genre on la libère, elle nous pique. Ça va, oui. I got stung by a bee. Sale bête. Okay. Misérable insecte. Is that it? Yeah. Did it hurt? Yes, kind of. Okay, I'm sorry. Bah console-moi un petit peu. C'est quoi cette gonzesse là? C'est pas que les hommes sont des chachottes ou quoi? Blablabla. On va le lire en français. Si, je vous assure. Note à l'attention du personnel de Wapiti. Si vous essayez de joindre le docteur Simons, il sera sur site du 15 août au 15 octobre. L'équipement de l'université est sous la responsabilité du docteur Johnson. Il y a une... l'équipement. L'équipement... Ouais, enfin, il y a quand même... Pas l'équipe. Bon, il y a peut-être des jeunes. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? L'équipement du gouvernement est sous la supervision de Cat Ferdinand. N'oubliez pas que la zone est contrôlée et qu'il faut signaler immédiatement tout problème. Dysfonctionnement ou infraction. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce qu'il brouillerait pas les pistes? Est-ce que ici ça n'aurait... finalement rien à voir avec ce qui nous arrive. Pourquoi faut sauter là? C'est quoi ce bordel? Comment ils font? Mais c'est des scientifiques. Bah ça fait pas de sport les scientifiques. Ils tombent tous les mecs. Y'a pas des cadavres au fond? Ah, ça va être abandonné ça. Putain, ça pue le zombie. Hein. Oh là là. Oh là là. On va faire demi-tour. Bon, est-ce qu'il y a... Oh, il y a un sale bruit, il y a un bruit de... comme dans Predator. Ou un compteur Gégère. Il y a un petit bruit. Il y a un petit bruit qui est pas commun. Là, il n'y a pas de bâtiment? C'est quoi ça là-bas? Ouh, un générateur, une antenne. C'est moi qui fais ce bruit-là? Ouais, c'est moi. Enfin, je crois. Moi aussi, c'est moi. Okay, I'm at the site. I don't see anybody around. Lucky for us. Yeah, lucky for us. C'est pas sûr. There's some serious comms equipment out here, wireless stuff. What do you mean? I'm talking a big 20-foot tall transmission tower. And they could probably listen to whoever the hell they want. They're nestled down in this valley, which makes it impossible for you or any lookout to see them. Voilà. Bon, bah, là, ça a pas l'air de la folie, hein. Pas de commentaire de sa part. On peut pas la débrancher là. Attends, pourquoi faire? On va suivre le petit chemin. Oula.
Il y a personne. Mais ils dorment où les mecs? Attends, forcément un bâtiment quelque part là. C'est quoi? C'est pas un robot ça? Non, on n'est pas dans Fallout, calme-toi. Il y a une tente. Une tente! Et un jardinet? C'est tout? Ok, c'est le grillage qui fait ce bruit là, tout est normal. Donc une deuxième. Un tour de surveillance, ça que c'est bon. Ah ben non, c'est électronique. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Attendez, je l'ai perdu. Où est-ce qu'il est? Bah! D'accord. And there is all sorts of contraptions and shit out here. Like what? Dishes and stuff on metal legs. There are wires all over the place. I don't know. I'm not really up on high tech. Mettre des coups de hache dedans. Oh, c'est suspect tout ça. Ok, y a personne. Ouh, il y a une boîte là. Ok, on peut pas l'ouvrir. I'm in their main tent. What's it like? It's definitely some sort of monitoring station. I just wonder where they are. All of their stuff is here. And they know you're there, so see what you can find and get out. Faire un peu de sabotage. This place sleeps three. They've pas quelqu'un dedans là? Here. So they live and work in the same tent? Yeah, it's all one operation. Like us. Yeah, like us. Il y a que trois lits. Oh, ouais. C'est bizarre. On va les rendre fous. On va mettre ça là. Ah, c'est génial! Non, attends, c'est pas bien mis. Voilà, comme ça il l'allume. Ça explose. Enfin, s'ils le voient pas, bah, ils verront probablement. I found their main monitoring desk. Oh my god, what do you see? Seriously, at this stage, I'd believe just about anything. Bah écoute, je sais pas du tout. They're measuring the barometric pressure too. Why? Maybe it's just a diversion. Peut-être qu'on tripe tout simplement. Ouais, barométrique là, c'est le machin là qui tourne là. C'est ça, truc météorologique. Bazar. Desk in here is a mess. I mean, it's like someone was in a rush or knocked a bunch of stuff over on accident. C'est pas faux, hein? C'est pas faux du tout. You love Wyoming. Tais-toi. Tu m'intéresses pas. There's a box here with a dial. It has a needle, like it measures earthquakes. You mean like a lie detector? Yeah, I'm not sticking around to get hooked up to it. Ok les gars, calmez-vous quand même, hein. Ok. Shit. Got a map here that confirms they're tracking my... our... people's movements. The map's got all sorts of paths and areas marked off on it. There are lines that look like some of the paths I normally take. Are you positive it's you? I'm not sure, but I think so. Ouais, ma tour elle est là. Là y'a quoi là? Y'a rien là. Je suis pas sûr. À mon avis, c'est une fausse piste tout ça. Ils sont innocents. Je sais pas. C'est bizarre. There's some sort of monitor. I don't know what it does. Maybe air quality or something. Maybe they're keeping data on everything that could impact our moods. That looks possible. This is crazy. Ah, ils se font leur film, ça y est. Ah non. Ça marche pas sur moi. Okay, so there's a log here that tracks the movement of four distinct subjects. You and me? Yeah, definitely me. And I suppose you too. What about the other two? Attends. Ah, ma parole, ben oui, en plus. Ben attends, faut que je regarde. Alors, attends, disproportionate food, une tête, une désinfocopulation, conflit avec les autres mâles. J'en sais rien, moi, les Goodwins. Maybe the Goodwins? What if they were following them last summer? God, Henry, I don't know. If they were, there's no way Brian knew. He would have said something. J'aurais peut-être dû le lire en français en même temps. I can't imagine a kid like that could have kept this under his hat. We'll talk this over and figure out how to get the hell out of here.
J'aurais peut-être dû le lire, ça aurait peut-être coupé le compte à rebours de la radio, hein, j'ai pas pensé. Alors, sujet fréquence du signal sexe rôle social. Donc ça serait... Le premier serait peut-être bien moi, départ fréquent de la zone de Two Forks, ou les Goodwin, ouais. Il n'y a pas de date, une fréquence radio, mais bon, on ne sait pas. Ah, mal. M, mal. M-O. Motard ? Non, on n'entend pas de ça. Femelle, comportement d'esquive. Consulter les données précédentes. Comportement d'esquive, d'accord. Mâle, désir copulatoire non partagé, conflit avec les autres mâles. C'est pas moi ça. Non, ça serait. Consommation de nourriture disproportionnée. Ça peut être moi aussi, remarque. Ouais. On n'est pas bien avancé avec tout ça. Bon, on va le garder. Alors, c'est quoi ça? This stuff looks like it just got lifted out of the space shuttle. I have to tell you, if I found out this was NASA, I'd be a hell of a lot happier. Bon, on se moque pas, hein, ça se passe dans les années 90, enfin 89-90, donc hein, voilà, faut se resituer dans le contexte. Ça, la navette spatiale. Ok, ouais. Je veux dire, nous, bon, on est un petit peu des hommes du futur, donc hein, bah carrément, ouais. Ah, c'est ça, je crois que c'est un bug d'affichage. Il y a bien un truc qui clignote. D'accord. Je crois que c'est le soleil couchant. Quand je suis rentré, je l'ai vu, mais. Et non! Ouh, attends, c'est quoi ça? Je pense que j'ai trouvé la chose qu'ils utilisent pour traquer nous. Oh shit! You know, you swear like a lot. Ah, en même temps, c'est possible. Not the time, Hank. Anyway, it's called a wave receiver. Looks like it picks up anything that emits a signal. It's got basic orienteering capabilities, everything. Holy. Holy shit, Henry. Yeah, holy shit. You're gonna take it, right? Ah, carrément. Yeah, of course. Faire plaisir. Je vais bien me faire plaisir. Attends, à de clignoter, ça pique les yeux. Localiser n'importe quel signal fort. Lumière verte, target. Donc il y a signal droit devant quand ça devient vert. Ça pique les yeux, hein, grave. Distance, distance de lumière. Strength of signal. Distance light. Ah ouais, plus ça clignote... Plus ça clignote vite, plus tu te rapproches. Et plus ça clignote lentement, plus t'es loin d'un signal. Bon. Tone quoi, tone source quoi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Oh là là. Oh là là. Suivre le beeper, d'accord. Et donc tone source of signal discovered. La musique? Bon, alors, on va voir. Ah, donc là, on s'éloigne. Là, on s'approche. Génial. Okay, this thing is losing its mind, beeping like crazy. I can hear it. What's it after? Du beurre de cacahuète. Oh, I'm gonna go find out. Non, pas du beurre de cacahuète. Ah, il devient fou, le truc. Oh, c'est quoi? Oh, une mine antipersonnelle. Boîte noire, calme-toi. Ma parole, il nous surveille vraiment. Ah, oh, j'y croyais pas en plus. Delilah, elle a 43 ans. Cougar. Parce qu'en vrai, il a 39 ans. Bon, ça va. Are you shitting me? Surveille mes arrières, moi. There's a folder of reports here. What do they say? They're assessments about the two of us. It says things about my life. Stuff you don't know. Like what? Stuff I didn't tell you. This is... What does it say about me? You said there was one about me. And it looks like they've been following me around. What I do when I'm out hiking? Jesus. Henry, do you hear me? It says that you and your boyfriend are still together. What? We're not. They're messing with us. Yeah. Okay. They are. How do they even know who he is? How the hell does this... I'm so sick of letting these people do this to us. We should just burn the place down. Ouais. Ah, je suis d'accord. Fuck 'em. Fuck 'em. They'll dump an ocean of water on it, and these assholes will spend the rest of the summer picking up the pieces. We get to finish out our contracts. Hell, we'll even call in the fire. Ouais, bien vu. Yeah, okay. Comme ça, on efface toutes les problèmes. You're not excited about that. Si. I'm not. Ah bon? Bon, d'accord. Look, non. Worst case scenario. Tu es folle, Delilah. J'aime ça. La forêt brûle. Ouais, c'est vrai. Un pompon vers la vie. Ouais, c'est chiant. Nous sommes dans du feu. Ouais. Firefighter dies trying to put out what we started and we live with that on our conscience for the rest of our faux. Lives. Je joue pas avec le feu. Worst case. Well, maybe
Maybe it's not the best idea. Yeah, it's definitely not the best idea. Oh, so fucking wound up. Bon, j'aurais bien lire ta page, moi, mais j'ai peur que de péter les dialogues. It's all right. I'm just gonna hike back. We have the wave receiver, and tomorrow we can figure out what to do. Alors c'est bon, j'ai eu peur qu'il me termine la journée. Alors Delilah, prenons-en plus un peu sur elle. 43 ans, aperçu statut du programme. Une semaine, 4 semaines, 25 secondes. Okay. Fiable malgré son alcoolisme, observatrice, charismatique, égocentrique, perception faussée de son histoire personnelle. Fait pertinent observé, n'a jamais été marié, n'a pas d'enfant, ne marche ou quitte les environs que très rarement. Plusieurs amants malgré un partenaire durable, non. Ravière. Ah là non, elle avait dit qu'elle était plus avec, ouais, que c'était fait virer. Susceptibilité à la manipulation, 3. Ah, c'est pas beaucoup, hein, 3 sur 10. Bon courage. Fin de transmission du superviseur, okay. D'accord, ça je garde. Et la mienne alors, celle qui nous intéresse le plus. Que des compliments, je suis sûr. 39 ans. Alors, explorateur complet, s'en tient au sentier. C'est faux, je me perds tout le temps. S'énerve facilement, passif. Coupable, direct, réservé. Quoi? Direct et réservé. C'est un petit peu contradictoire, ça. Ça aussi. Bon, ok, aperçu du sujet. Le sujet a engagé la conversation avec son superviseur. La confiance doit encore être attestée scientifiquement. Tous les signes semblent indiquer une coopération totale. C'est faux. Mise à jour, le sujet est peut-être conscient du test. Nous suggérons d'abandonner si le sujet décide de quitter son poste. Susceptible à la manipulation, 9 ! Moi 9 ! Moi j'ai 9 ! Moi ! Moi qui suis un bûcheron en short avec une intelligence hors du commun ? Moi tu crois que tu vas me manipuler ? Mais tu qui toi ? Sors de là ! C'est quoi ça ? They're doing something with the soil out here too. It's all gridded off. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais on est vraiment on est vraiment espionnés quoi. On est des cobayes. Mais pourquoi faire? On peut pas les casser ça. J'ai bien foutu le feu moi quand même. Hein. Pas foutre le feu. Hein. On peut pas allumer ça. On peut pas. Pourquoi on peut pas? On peut pas les faire chier un peu là. Bon, en même temps c'est grillé qu'on est venu donc. Ça me plaît pas. Je te marave tout. Ça partout, moi. Ils croiront une attaque de raton laveur avec un peu de chance. Si. Moins ça a de sens, plus ils vont se dire « Putain, il y a un animal qui est rentré qui a foutu le bordel. » Bah ouais. La manipulation neuve, bah tu vas voir. Tu vas voir. Moi, je suis champion d'échecs du collège, moi. Tu crois quoi? J'hallucine. Bon, j'étais tout seul dans le club. Mais quand même, hein. Je retourne chez moi. Je retourne dans ma station. Et je vais me barricader. Tu vas voir. Tu vas pas comprendre. Tu crois que tu vas comprendre, mais tu vas pas comprendre. Non. C'est trop facile ça. 9 en manipulation. Attends. Et là, elle a que 3. Alors que la meuf, elle est complètement jetée quoi. Non, ça me plaît pas. Et mon prix à la légère, ça se paiera. Oula. Oula. Ouais, il y a sa fin drôle de bruit. Ah wow. Ah bah ils pourront plus accéder. Mais comment ils accédaient d'ailleurs à leur truc là? C'est bizarre. Hey, shit. The bridge collapsed climbing out of here and now it looks like there's smoke coming from the site. Quoi? What the hell happened to you? It's definitely not the best idea. J'ai rien fait. It wasn't me. What do we do? Ah oui, c'est là, d'accord. Ah oui, là c'est pas le toqué. Ça me paraissait bien gros aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Bah préviens, ouais. Call it in like any other fun. Ouais, je prends l'innocence. On s'en fout, ils enquêteront. The person who started it? Yeah. We're talking about people watching us out here who are now burning the forest and everything in it around us. I don't know what to do about that. T'es sûr qu'ils ont mis le feu? Except get the hell out. Yes, get us the hell out of here. I will. Ça fait peur. Jour 77 toujours. Ah, c'est la même journée. Ah bah je reste avec vous alors. Ah, on finit la journée. Oula, alors là. Là, Henri, il est énervé, là. Il fait nuit, là. Il est en mode... Il est en mode attention, hein. Attention. On a réuni toutes les preuves. C'est de la bonne. C'est de la bonne. Attends, je reprends ma bouteille de whisky. Qu'est-ce qui se passe? This receiver just picked something up. Like a signal? It's going beep beep.
Yeah, what could it be? I don't know. You gotta find out. T'as une drôle de voix, toi, t'as bu, non? Entendu, il a la voix qui déraille un peu. Ouais. No. De la bouillouse. Je t'ai grillé. Are you drunk? No, I am getting drunk. Bah, t'es bien parti, j'ai l'impression. Hein. Ouais, bon plan comme ça, elle va s'endormir, elle va me foutre la paix. Ça sert à rien de toute façon. I'm a good planner. Oh là là. My thinking is I could stay up all night worried I'm gonna lose my job because of the side fire, or I could not worry and let the chips fall where they may. It's not like there's any proof we were down there. My thinking is I'm gonna follow this wave receiver. Ooh, I like it when you think. Aïe aïe aïe. I'll just leave you alone with whatever these thoughts are. On dirait qu'il y a de la fumée partout dehors. Vous avez vu? Il y a de la fumée partout. C'est horrible. Ma tortue! Bah! Oh, ma tortue, elle est enfermée. Elle s'est fait une carapace avec sa maison, quoi. Carapace plus carapace en carton. C'est incroyable. J'en fais quoi de ça? Eh bien, a priori, j'en fais rien. On peut pas l'emporter, donc on s'en tape. Bon alors, ok. C'est parti, on va chasser. On va chasser le signal. Prends ton petit sac. Ah, mais on est en fumée, en fait. Attends. Radio éteinte. Ah bon? Ah, voilà. Ah oui, elle a sa radio, d'accord. C'est pas la mienne. Ça n'a aucun sens. Je peux pas courir. C'est chiant. Alors, je vais le ranger. C'est comme je vous le dis. Et on va chercher d'où vient ce signal. Bah alors l'avantage, bon, attendez, ça sert à quelque chose de sortir ou pas? Ah bah carrément que ça sert à quelque chose. Oui. D'accord, ça pointe. Allez, on y va. Petite foulée. On n'a pas peur. Je peux passer par où là? Il y a un chemin là ou pas? Oui, il y a un chemin. Ok, c'est par là-bas. Donc on va suivre cette petite pente. Par contre, on est vers où là? Ah super, j'ai pas le... Ah bah si, ça fait boussole, j'avais pas vu. Bon, ouest, sud-ouest, d'accord. Ah bon, on descend donc vers... D'accord, on descend, très bien, écoute. Le redescendons. Non, là on remonte. On n'est jamais venu là. Oh putain, on est proche. Oh, il y a un truc là! Sac à dos étrange. Oh putain! J'ai cru que c'était une mine, sans rire. Ça va à cause. Bizarre. Une alarme. Passons un capot de chance, ils ont paumé tout leur équipement dans l'incendie. Incendie que je n'ai pas déclenché, hein, donc il y a encore. Il se passe des choses encore. I found some sort of supply bag. Light camping gear, some clothes, you know, basics. But it was alarmed. I think that's what was making the receiver go haywire. You're okay? It's not a trap or anything? T'es plus bourré, toi. Fine, but there's also a set of keys here. I don't know why they'd be hidden out here. They say Shoshone National Forest, Cave 452. Is that the one in the canyon? Yeah, it is. C'est bon, ça. Who the hell took them? And what the hell is in that cave? Okay, let's just think. Bon, on va aller voir. Says the woman with a half a bottle of tequila in her belly. Maybe they're panicking and we're preparing to beat it. The fire hasn't spooked and we have new walkie-talkies, so we have the upper hand. Yeah, well, it's hard to feel like you have the upper hand when you're standing in the dark in the middle of the woods. Oh. Well, you're back in your tower. Maybe you need a drink too. I'm not in my tower. I am looking at a man standing in your lookout. Mm. And it's not you. Is not me. Oh my god, go. I'm going. Putain, ça va chier. Vite, vite. Ah, puis j'ai, je peux pas prendre la tortue. Ah, puis c'est pas du tout par là. Où est-ce que je suis? Merde, tu es où là? Ah, oh, vite, vite, vite. Vite. Je suis tellement proche. Ok, c'est bon, c'est par là. Non, c'est pas par là. Attends. Viens, c'est vers l'est. Ah, faut que j'aille vers l'est carrément, ouais. Tu fais quoi là? Oh là là.
Oh là là, je suis parti où? Allez là. Allez là, cours. Où est-ce qu'on remonte? Par là. Ah non, attends. Si jamais il shoot ma tortue, bah oui, c'est juste là, d'accord. Est-ce que t'es encore là, mon salopard? T'es encore là, hein? Il va pas pouvoir s'échapper là. Ah, il peut pas. À moins qu'il ait un deltaplane. C'est peu probable. C'est bon, y'a personne. Je te chope. T'es ma chose. Tu vas parler. Je vais te péter les dents. Oh, ça va chier les bulles. Allez, viens, viens, viens. Viens, viens. Putain, genre, il est parti. Arrête. I don't see anyone up here. She was just there. C'est quoi ça? Walkman scotché. C'est quoi ce bordel, sérieusement? Ah, ma tortue! Qu'est-ce que tu fais là, pépette? Viens ici. Qu'est-ce que. Bah, faut pas faire ça, hein. Viens. Ah, mais je m'inquiétais, moi. Bon, c'est un bug, ça. Tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Ouais, ça a l'air d'aller. Il m'a fait un petit sourire. Y'a personne. Y'a personne. Et t'as vu quoi, Lila, là? Tu dis rien. Pourquoi ça? Left a cassette player taped to my damn door. I don't even know what to say to that. Well, let's see what's on it. Ça n'a aucun sens. J'adore. Ils sont sérieux. It's a tape of us talking down at the site. It sounds like it was recorded from somewhere nearby. Oh Jesus. Yeah, and it sounds like we were the ones who burned it down and that it was your idea. No. We are screwed. No. Ah, c'est un petit peu chaud, j'avoue. S'ils veulent just don't freak out, okay? Don't nous enfoncer, freak ils peuvent. Oh my God. J'ai dit de pas paniquer, putain, mais c'est pas possible. Ça est... Ah, ça se tend, hein. Ah, c'est tendu du slip. C'est tendu du slip, et c'est là-dessus que je vais vous laisser dans cette belle journée 78. Ah, j'ai envie de connaître la suite. Je vous souhaite une bonne nuit, et à bientôt pour la suite de l'aventure et l'enquête de Henri et Delilah, son acolyte qui ne bouge pas son cul de sa tour. Allez! Salut.